Bonjour les gens, aujourd'hui c'est la visite chez IKEA pour voir un meuble de cuisine et je crois que c'est une visite un peu des meubles que je vais prendre utilement. Donc voilà, là je suis au gérant, une petite pause jus d'orange pour que vous en arrière-plan. Et je vous dis à tout de suite chez IKEA. Les gens, donc voilà, bon, je vais changer la configuration de ma cuisine. J'avais pris des grands meubles, donc comme maintenant j'ai une machine à laver, j'en ai pris une d'occasion pour moi tout seul. J'ai une 8 kg, donc ça fait pas mal. Et donc j'ai une Whirlpool avec pas mal de boutons. J'ai acheté dans une association, enfin des magasins d'entraide qui s'appelle Envie. Et je trouve qu'ils font des garanties qui sont pas mal. J'ai acheté donc 120 euros et pour 10 euros de plus, ils me font le dépannage à domicile et c'est garanti un an toutes les pièces. Donc pour cette formule, c'est pas mal. Alors donc pour la configuration, je vais remplacer ce four, je vais mettre un meuble four dessus avec le four encastré à l'intérieur.
Là, pour l'instant, j'ai une tablette qui me dérange pas trop, qui je peux mettre pas mal de choses dessus. Alors, il y a des gens pour qui ça peut gêner pour faire la vaisselle, moi ça me gêne pas. Ça me laisse assez de place. Et donc, à droite de la machine, je vais mettre un petit meuble de 40 cm de large que j'ai trouvé chez IKEA. Donc, je vous mettrai l'image et puis le lien dans la description des vidéos. Donc, c'est un meuble avec une façade grise, soit en gris, soit en blanc, j'arrive pas à me décider encore. Avec un plan de travail dessus, mais qui sera de 40 cm, parce qu'après je suis limité au niveau du recul de la chaise sur la table, donc j'aurais voulu mettre 60 cm, mais bon, ça rentre pas. Et la table, donc je vais la remplacer aussi. Je vous mettrai le lien dans la description que j'ai trouvé chez IKEA. Une table carrée avec des pieds blancs et une sorte de plateau en chêne. Voilà pour ça. Soit une table, soit alors un plan de travail qui fera tout le long, qui partira de la machine à laver jusqu'à l'entrée de la porte, ou un petit peu avant, je crois. Il y aura 1,80 m de plan de travail. Et là, je mettrai comme on mange de ce qu'on appelle les manches debout. Donc, j'aurai des chaises de bar. Voilà. Donc, soit cette configuration en manches debout, soit alors une table classique. Voilà pour une nouvelle configuration. Et je pense que ça va être confirmé d'ici le mois de mars. Alors, le meuble four, j'ai trouvé chez Brico Dépôt. Il fait 27 euros. Il sera tout blanc. Donc, il fait 60 cm de largeur. Et le meuble bas que je vais mettre, il sera donc à trois tiroirs. Deux grands tiroirs en bas et puis un petit tiroir en haut, qui est à 70 euros en gris et puis 60 euros en blanc. Et la table fait 59 euros. Sinon, le plan de travail, lui, fait 15 euros. Sur 1,80 m de longueur. Qui sera soit en gris clair, imitation pierre. Soit en gris foncé, mais imitation béton. Voilà. Pour les chaises, je reprendrai des pliantes. La table de jardin, vous voyez, sur le balcon. Voilà. Donc, la cuisine sur sa totalité. La fenêtre au bout, à gauche l'évier, à droite, donc machine à laver et le meuble. La table, le frigo dans un encastrement avec le micro-ondes dessus.